Alors, je viens de me réveiller. J'ai découvert hier soir que mon petit frère suspect 95 avait fait une vidéo. Je crois que le petit s'est un peu égaré. Je fais ce direct en fait pour rétablir l'ordre des choses. Donc, j'attends que vous soyez là. J'ai une petite réponse à sa vidéo et on va rétablir l'ordre des choses. Il est hors de question qu'on parle de clash. On parle d'échange d'idées. En deux adultes. Je refuse d'aller à coups d'injures avec un gamin qui veut garder son titre en fait d'insulteur public numéro 1. Je refuse. Vous avez entendu la vidéo d'hier? J'étais choquée. Niga, c'est pas un clash, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, tu vas carrément insulter ma communauté que ce sont des analphabètes. Non, nigga, je t'ai senti trop énervée hier. Hier, mon petit frère suspect était énervé. J'ai senti comme ça la vapeur là, qui sortait de son nez. Ah là là, tu veux sauf que me manger cru, hein, petit. Contactez-le. Moi, je ne fais pas de clash, hein. Moi, je vais à coups d'idées. S'il n'y a pas d'idées, les injures, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas. Mais il s'est égaré hier. Je dis, mais petit, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi là? Mais t'es dans quoi? Mais moi, je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas l'insulter parce que suspect 95, c'est un petit de 95 à qui j'ai tendu une perche de faire un échange d'idées. Un petit à qui j'ai donné la chance de sortir de son bac à sable pour rejoindre les adultes. Suspect dit non, 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 je ne veux pas rejoindre les adultes, moi je veux insulter. Je vais t'insulter, Emmanuel. Taguez-le. En plus, j'adore ces sens qu'on a. Taguez-le. Viens de me réveiller. C'est gâté sur le net. C'est gâté sur le net. Les gens ont peur pour moi, vous avez peur pour moi. Non, on n'est pas peur pour moi, la team. C'est un petit. Soit vous dites qu'on ne tient pas nos promesses. On est des menteurs parce qu'on ne tient pas nos promesses. Mais avant de croire nos promesses, on devait comprendre le viser les conditions. Si j'acceptais ce que tu demandes, ça dépend de la situation. Si j'ai promis sur téléphone, si je fais pas, tu peux t'écracher. Si j'ai produit, dis-moi ta peau. Si je fais pas, tu peux tout gaver. Si je fais pas, tu peux tout casser. Mais si c'est la promesse qu'on fait dans la chambre là-bas, où elle est? Même si c'est gentil, je suis d'accord. Partagez le direct. C'est pas direct pour insulter suspect 95, hein. Moi, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça, en fait. C'est pour bien rediriger le débat. C'est moi qui l'ai invité à faire un débat parce qu'il m'a un peu provoqué en inbox. Il sait, je sais. Pourquoi je l'ai choisi, ok? Mais ça, c'est entre lui et moi. Mais je ne rentre pas dans, je rentre pas dans des injures avec suspect. Parce que si je vais insulter suspect, il y a beaucoup à dire. Mais ça, c'est des comportements puérils. Quand vous voyez quand un truc commence et puis un commence à insulter, à rentrer dans le caleçon, c'est un faible. C'est un faible. Quand vous voyez un débat n'a pas encore commencé. Et qu'il y a un qui commence à rentrer dans les spéculations, dans les injures, dans le rabaissement, qui veut remettre ta personne en truc, c'est un faible. Et si moi je m'amuse à insulter suspect, on sera deux gamins de 95 que vous allez retrouver dimanche. Hein. Si je veux rentrer dans ce que suspect a commencé hier là, on sera deux gamins de 95. On fait gat-gat. Toi là, ta baisse-gueule. Toi là, animateur public. Toi là, ton punch long. Je suis Emmanuel Keïta. Je suis Emmanuel Keïta. Et le raffinement, la classe me connaît. Les injures, non. Les injures, non. Moi, je débat à coups d'idées. Hier, je le vois sur sa page. Je lui fais un commentaire. Il vient corriger mes fautes d'orthographe. J'ai senti, sauf que le mec a été piqué parce qu'on lui a dit que je parle trop bien français. Le mec a été brisé dans son âme en se disant, il faut que je corrige deux fautes de grammaire qu'elle a fait là. Et puis le public, il crie, wow! On adore, on adore, on adore. On adore, on adore, on adore. Qu'est-ce qu'il dit encore? Siècle, siècle, siècle. Je sais pas c'est quoi trop leur délire à eux là-bas. Hein. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Un non-suspect.
Un non-suspect. On ne s'est pas entendu pour faire un débat d'injure. Hein. Ah non, 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 non. Je ne rentre pas dans ça avec toi. Tu as traité mes abonnés d'analphabètes sous prétexte que je leur dis des synonymes de certains mots parce que ce sont des analphabètes. Mais laisse-moi te dire, mon petit suspect. Ces abonnés que tu traites d'analphabètes sont les mêmes abonnés qui se retrouvent sur ta page. Oui. Il n'y a pas d'abonnés d'Emmanuel Keïta Fix. C'est la même team ivoirienne. C'est la même diaspora. Qui sont sur la page de Suspect, la page de Elon, la page de José. Ce sont les mêmes abonnés que tu es en train d'injurier parce que tu trembles. Je t'ai senti mouillée là hier, bro. Quand j'ai vu ta vidéo, certaines personnes t'ont applaudi. Certaines personnes m'ont dit « Waouh, il va la démanteler ». Moi, j'ai vu un gamin. J'ai vu un gamin surexcité. J'ai vu un gamin surexcité. J'ai vu un gamin à qui une femme lui a dit « J'aimerais qu'on puisse faire un débat avec toute la politesse, avec toute la douceur. » Et je vois un gamin qui se ramène et qui dit « Hey, ton truc que tu fais sur Facebook, là, toi, là, tu penses que quoi ? Moi, là, hop !» J'ai vu quelqu'un d'effarouché. J'avais l'impression qu'il avait sniffé trois rails de coq. C'est pas mon suspect que je connais. C'est pas celui à qui on a parlé et puis on s'est dit « Allez, on fait un petit truc tranquille et tout ça. On va aller à coup d'idées. » J'ai vu un homme qui était blessé dans son amour propre. Mais il fait gat-gat. En 2020, suspect, moi, une vieille femme comme ça, costaud comme je suis, tu vas m'emmener sur le tatami pour me faire gat-gat? Tu vas m'envoyer sur le tatami pour me faire gat-gat, suspect? Really, nigga? Really? Et tu penses que je vais te suivre dans ça? Écoute-moi très bien, petit suspect. Dès le départ, quand j'ai pris la parole, je t'ai dit, suspect, j'aimerais t'avoir en octogone. J'aimerais qu'on puisse échanger parce que je t'entends beaucoup parler et j'aimerais qu'on puisse échanger sur un sujet. Tu as choisi le sujet de Sugar Lady. Je t'ai même dit en inbox, mais ce sujet-là, il est démodé, j'ai fini avec lui depuis longtemps. Mais hier, quand je découvre ta vidéo, j'ai vu en fait que tu te dis, oh, je vais la prendre au niveau du fait qu'elle a dit un truc et son contraire. Sache, bro, je ne dis jamais une chose et son contraire. Le sujet de Sugar Lady, tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je suis une femme réaliste. Autant j'invite les femmes à être des femmes entrepreneurs, autant je suis consciente aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens et qui sont entretenues par les Sugar Lady. À ces femmes-là, tu sais très bien ce que je leur ai dit, parce que je le disais devant la toile. Prenez ce que vous avez à prendre et sortez de là et soyez des femmes indépendantes. Je ne me dédie pas, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Petit, si tu n'arrives pas à débattre avec moi avec des idées conséquentes, ne rentre pas dans les injures. Ne rentre pas dans les injures. Il est hors de question que je rentre dans les injures avec toi. Il est hors de question. Parce que si je veux commencer à t'insulter, il y a beaucoup de choses à dire. Mais énormément de choses à dire. Qu'est-ce que tu as dit? Que je suis une animatrice sur Facebook? Mais laisse-moi te dire que l'animation que je fais, on a sauvé plus d'eux. On a sauvé plus d'un, de femmes comme d'hommes. Combien de femmes sont venues me trouver en inbox et me dire « Grâce à toi, j'ai commencé telle activité. » Combien de femmes sont venues me trouver en inbox et me dire « Grâce à toi, j'ai largué mon mec qui me maltraitait. » Combien de femmes à qui j'ai apporté mon soutien. En dehors même des caméras. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu prônes, suspect? Qu'est-ce que tu prônes, bro? J'adore tes musiques, j'adore. J'ai mon petit côté ivoirien, en fait, qui me fait kiffer la musique sans tenir compte des paroles. Parce que si je vais écouter les paroles que tu dis, ça m'affaiblit. Ça va m'aliéner. Tu dis que de la merde, bro. Dans tous tes sujets, en fait, tu casses la femme. Dans tous tes sujets, tu casses la femme. Même ce morceau que j'adore qui est Promesse. Tu incites les hommes pour niquer avec une femme. Dites-lui des paroles tendres sur le lit et ensuite, faites-lui un mougoupan. C'est ce que toi, tu prônes. C'est ce que toi, tu prônes, suspect. Tu me dis que j'amuse la toile, je suis speakerine, je ne sais pas comment je vais dire ça, de Facebook. Mais suspect, André, que tu as oublié ta vocation. Est-ce que tu sais qu'à la base, tu es un très bon rappeur? Même si tes tests sont un peu discontinueux, je ne sais pas, tes tests sont un peu bizarres. Est-ce que tu sais que tu es un très bon rappeur? Mais qu'aujourd'hui, ton Instagram te sert que à faire des punchlines à la con, des punchlines à 1,50€. Où tu passes ton temps à insulter, à rabaisser, à minimiser. Pour être un rappeur et un caïd, on n'a pas besoin d'insulter une femme. On peut être un rappeur et un caïd en honorant la femme ou en se taisant à jamais. Petit, tu es un plaisantin. Petit, tu es un plaisantin. Je vois des gens venir me dire, il faut lâcher l'éponge. Il va te ridiculiser. Il faut lâcher l'éponge. Il va me ridiculiser si je commence à rentrer dans le même système que lui. Si je commence à faire gat-gat avec lui, lui, il va me ridiculiser parce que je n'ai pas été éduquée pour faire gat-gat.
Si je commence à rentrer avec suspect dans une histoire de gat-gat, il va m'anéantir. Parce que le petit, il a le verbe pour faire gat-gat. Moi, j'ai le verbe pour défendre mes idées à coup d'arguments. À coup d'arguments bien posés, bien disposés et dans le respect total. En effet, si je vais avec un gat-gat avec suspect, il m'écrase. Parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Vous voulez que je lui dise quoi? Vous voulez que je dise quoi à suspect? Really? Avec tes cheveux qui montent comme ça, là. Avec... Qu'est-ce que vous voulez que je dise à suspect? Non. Je veux échanger des idées avec lui. Je veux échanger des idées avec lui. Je ne veux pas m'attaquer à sa personne. Je ne veux pas m'attaquer à son business. Je ne veux pas m'attaquer à l'homme qu'il est. Je ne veux pas le minimiser. Je ne veux pas le minimiser. Ah non, pas du tout. Suspect, en termes de punchline, tu es zéro. En termes de punchline, tes punchlines, je les achète à 1,50€. Et encore, mais je vais négocier le prix, bro. Même à 75 centimes, je les prends. Tes punchlines, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bah bon, les vrais rappeurs, quand ils font des punchlines, tu dis, oh my God. Qu'est-ce qui t'a pris hier, bro? Qu'est-ce qui t'a pris hier? Je me suis dit, voilà un jeune homme qui a l'habitude, en fait, de parler très mal des femmes. J'aimerais pouvoir échanger avec lui, lui donner mes idées sur la situation, sur le sujet, afin de le faire changer d'avis et lui dire qu'il n'a pas besoin d'injurier les femmes. En fait, le débat que je voulais faire avec suspect, en fait, c'était une sorte de débat pour lui tirer un peu les oreilles. Comme une maman qui dit à son enfant, pour être un caïd, t'as pas besoin de rabaisser la femme. Pour être un caïd, t'as pas besoin d'injurier la femme. Mais suspect veut me faire comprendre que lui, il se résume qu'aux injures. Il se limite qu'aux injures. Ceux qui me disent, mais tu sais que c'est un enfant, oui, suspect de 95, c'est un vrai gosse. Mais on peut faire un débat avec un enfant afin de lui faire comprendre certaines choses, afin de le faire grandir. J'ai voulu le sortir du bac à sable. Viens avec moi, bro. Viens te comporter comme un adulte. Viens qu'on ait un échange posé. Qu'est-ce que je découvre hier? Un enfant tout agité. En train de remettre en question la femme que je suis. Je pense qu'il y a un problème. Alors je vais être très claire. Je vais être très claire, bro. Je ne rentre pas dans une histoire de gat-gat avec toi. Ce qu'on s'est entendu dessus, dès le départ, parce que tu as tendance à dire que moi je change de bouche, c'est toi qui viens de changer de face là. C'est un dialogue posé, à coup d'idées, à coup de réflexion, aussi divergente qu'elle puisse être, on va conduire le débat avec respect. Échange d'idées contre échange d'idées. Mais si tu rentres dans les injures, ce débat-là ne sera pas possible. Parce que je refuse qu'un gamin vienne m'insulter. On ne parle pas d'injures. On ne parle pas d'injures. Suspect, aujourd'hui tu es devenu papa. Il faut que tu sortes du bac à sable. Tu es un homme maintenant, suspect. Il faut que tu puisses échanger avec une femme avec tout le respect que tu lui dois. Fais-le au moins pour ta fille, fais-le au moins pour ta mère. On ne s'exprime pas avec une femme en tenant ce genre de langage. On ne tient pas ça, petit. Tu es en train de faire fausse route. Et tes amis qui t'encouragent avec on adore, kek, attention. Ils ne t'aident pas. Le seul titre en ce moment que tu as sur la toile, c'est même pas d'être le meilleur rappeur. Le seul titre que tu as sur la toile aujourd'hui, c'est pour dire Petit là, sa bouche est sale. Hein? Petit là, sa bouche est sale. Hein? C'est ton titre. Tu veux rester dans ça éternellement? Alors, le débat aura lieu dimanche. Je ne recule jamais. Mais le débat, c'est un débat. Si tu ne sais pas c'est quoi un débat, tu vas prendre la définition. Il n'y a pas un jure dans le débat. Petit, c'est ce que j'avais à te dire ce matin. Ok? Tu parles de mes abonnés, que ce sont des analphabètes? Parce que tu penses qu'avant de faire ta vidéo d'hier, tu sais, je t'ai tout de suite cerné. Hein. Avant de faire sa vidéo d'hier, le petit, il allait apprendre quelques petits mots un peu truc là pour venir parler. Ah, j'ai senti, en fait, même les mots qu'il dit pas dans ses raps, là. Il a vite appris ça un peu sur le tas. Et puis, il a dit, attends, je me mets devant un direct. Je vais leur montrer que moi, ici, j'ai le bac. T'as été frustré, apparemment. T'as été frustré, Ninga. Faut te calmer. Calm down.
relâche la pression, c'est que moi. C'est que Emmanuel qui est là, babe. Tu m'as l'air un peu surexcité. Tu m'as l'air un peu surexcité, bro. Calm down. Calm down. C'est un débat. C'est un débat. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de remettre en question qui je suis. Quand j'ai commencé à être actrice, petit, tu commençais déjà à apprendre à écrire des punchlines. Quand j'ai commencé à être actrice et que je t'ai connue sur la toile, tu apprenais déjà à faire tes premières rimes. Et aujourd'hui, le retour que j'ai sur la toile, ça en est plus d'un. Quand je fais des directs, ça a un sens, ça a un sujet. Et j'aide des gens. J'ai voulu faire un peu d'humanitaire avec toi en te disant, allez petit, viens, on se fait un débat. Tu penses que parce que tu as 1 million de followers, t'es mieux que moi? Non. Moi, je veux t'apprendre à être un homme. Pour défendre tes idées, il faut que tu puisses parler comme un homme. C'est tout ce que j'avais à dire à Suspect aujourd'hui. J'ai rien contre toi, petit. J'ai rien contre toi. Mais la vidéo que tu as faite hier et ceux qui t'acclament ne sont pas des gens qui t'aiment. Parce que moi, je suis venue avec toute en douceur, avec respect. Et j'ai vu un petit gamin à qui on a refusé des gâteaux et qui était tout énervé, qui partait dans tous les sens. Tu partais dans tous les sens hier. Tu partais dans tous les sens. Il n'y a pas quelqu'un comme moi qui est plus réaliste sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus vrai que moi. Je ne me dédie jamais. J'ai parlé de Sugar Daddy, ok? Et je sais ce que j'ai dit sur les Sugar Daddy. J'ai parlé d'émancipation de la femme. Et je sais ce que j'en dis. Je suis droite dans mes bottes. Alors, si tu veux que ce débat ait lieu dimanche, comme ce qui est prévu, tu vas enlever les injures que tu as dans ta bouche. Et à la place, tu vas les remplacer par du vocabulaire consistant. Sinon, si ce n'est pas ça, on annule le débat. Je ne donnerai pas le plaisir de faire un tour de galgate avec moi. Je suis ta grande sœur, Anga. Même si je ne suis pas ta grande sœur, je suis une femme. Il est hors de question qu'on rentre dans un galgate. T'as pensé que quoi? T'as pensé qu'on était à l'école maternelle ou quoi? Tu es un phallocrate, hein, suspect. Fais gaffe. Passez-lui le message. Passez-lui le message. Ok? Take care, bro. Et puis, calme-toi.